Oh, bonsoir tout le monde, désolé pour ce retard. On est rentré de mission, ça ne fait pas longtemps. On fait du mieux qu'on peut pour vous servir dans tous les cas. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, pour son immense amour, pour sa longanimité. Donc voilà, on a pris quelques minutes de retard. Partageons la vidéo, invitons. Invitons plusieurs à se connecter. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Pierre Étoilé. Bonsoir à Faith Grace. Prisca. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Bonsoir à Cynthia Hernandez. Hein? C'est qui? Fernandez plutôt, désolé. Fernandez. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir Olivier Mathis, mon fils. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Bonsoir à tous. Voilà. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Que sa grâce soit avec vous de façon redoutable et spéciale en cette soirée. Nous voulons parler des choses très fortes, ce soit par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, comme je disais, le retard, désolé, hein, parce que on est rentré de mission, ça ne fait pas longtemps. Et puis, fallait tout faire rapidement pour être là à 21h devant. Mon téléphone pour pouvoir permettre à chacun de nous, pouvoir nous permettre à chacun, à nous tous, de passer ce moment extraordinaire. Donc, que Dieu vous bénisse. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes béni, béni, béni. Bonsoir Gervais Zamba. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à Kul Haman, Kulsumi Haman. Voilà, il faut dire comme ça, Koulsoum, il y a tous mes enfants de la diaspora. Par la grâce de Dieu, je serai en France pour la grande nuit, la turbulence prophétique, ce vendredi 2 février. 2 février. 2 février, ça sera une date extraordinaire. Chacun doit marquer cette date-là dans son agenda, le 2 février 2024, à partir de 21h. À 5h du matin. Ce sera au niveau de la salle Lune d'Or. Voilà, Lune d'Or. Que Dieu vous bénisse. C'est au 20 avenue des Courtes et plus 4100 Villa Bay. Donc, connectez au maximum, partagez la vidéo. Un maximum de personnes, s'il vous plaît. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et dimanche, le 2, le 4 février, nous aurons le premier culte des familles, avec consécration des familles, du côté de Paris, toujours, à partir de 10h. Ce sera dans la même salle, dans tous les cas. 20 avenue de Courtes et plus, 4100 Villa Bay. Donc Dieu va se manifester de façon extraordinaire. Devons nous préparer. Vous savez, nous sommes dans une nouvelle année et il faut que toi-même tu remarques et que tu notes que ta façon de servir Dieu a changé. Ça, c'est important. C'est-à-dire que note-toi toi-même, pose-toi la question de savoir, est-ce que j'ai avancé ou je n'ai pas avancé? Est-ce que j'ai avancé ou est-ce que je n'ai pas avancé? Donc, il faut que chacun de nous puisse prendre soin de cela. Voilà, il faut dire que j'ai remarqué paraît que c'est pas bon, dehors là-bas, c'est pas bon. Avec les résultats de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. C'est-à-dire que ça, c'est deux nations qui devraient être ensemble, unies. Parce que c'est la belle famille, comme on dit souvent. Et je ne comprends pas comment, quand il y a quelque chose qui arrive au Cameroun, les Camerounais s'acharnent contre les Ivoiriens.
Et quand il y a quelque chose en Côte d'Ivoire, ce sont les Camerounais qui s'acharnent. Dernièrement, on a battu le Cameroun, sérieusement. On a battu le Cameroun. Et c'est le Sénégal qui a battu le Cameroun très bien. Et puis, les gens se sont moqués, se sont moqués. Et beaucoup d'Ivoiriens se sont aussi réjouis de cela. Ils ont jubilé avant le temps. Le football, c'est un sport très dangereux. Les Ivoiriens ont insulté les Camerounais, mais ils n'ont pas attendu jouer d'abord leur match. C'est tout à l'heure que je regarde et je n'ai même pas suivi le match. Comme l'on voyageait, je vois seulement. Je vois seulement que quelqu'un, c'est des cousins d'Adi. Je vois seulement qu'on a tapé la Côte d'Ivoire 4-0. Ce n'était pas différent de ce qui s'est passé avec nous aussi l'autre jour. Boris, je viens dire bonsoir d'Adi, la belle famille souffre en ce moment. Jésus a dit que toute maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister, c'est ça. Donc, comme il y a trop de querelles dans la famille, c'est ça qu'on nous tape. Voilà. Donc, on a tapé le mari, on a tapé la femme, c'est très grave. Il faut être unis, sont unis. Si on est unis, on sera bénis, vous voyez. Donc, c'est ça, je ne sais pas ce qui se passe entre les Ivoiriens et les Camerounais. Normalement, on devrait se soutenir mutuellement, mais dès qu'il y a un malheur ici, là, au Cameroun, les Ivoiriens s'élèvent. Les comparaisons bidons entre les deux nations, des comparaisons inutiles. Hein? Pourtant, il y a eu le mariage nous a unis, tout cela. Et donc là, c'est mauvais. Le Cameroun a pleuré dernièrement, et là, maintenant, c'est la Côte d'Ivoire aussi qui en pleure. Et c'est terrible, c'est ça dans la vie. Moi, je pense que quelqu'un a dit, c'est qui dit, Béatrice, allez, voyez, le ballon est rond. Donc, il faut savoir, comme un de mes fils, le prophète Arsène Bic, disait souvent, à l'époque, quand on jouait à la Xbox à la maison, il me disait que ce qui tue la poule tue aussi le canard. Donc, le canard ne doit pas voir comment la poule est en train de voir. Le canard se met à rire, sachant que le même grain de maïs aussi, aussi toucher la poule. Bon, maintenant, une autre chose que je ne comprends pas, sincèrement, avec le football, avec les supporters, une autre chose que je ne comprends pas, c'est que le football est très ingrat, vous voyez, c'est ingrat. Et le footballeur, les supporters de football, ils sont un peu comme les chrétiens dans les églises. Ils sont comme les chrétiens dans les églises. Ça veut dire que le jour où vous gagnez, vous êtes, wow, vous êtes le meilleur, il n'y a pas comme vous. Dès que vous perdez là, on dit, ne revenez pas ici, cherchez votre pays. Ne cherchez pas, ne revenez pas ici là. Non, non. On vous insulte, on vous saboule, on vous houspille. C'est ça en fait le football. C'est un jeu ingrat. C'est un peu comme nous, les hommes de Dieu. Les jours où tu rends ministère bien, c'est bien. Oh, on dit oui, c'est un grand homme de Dieu et tout. Et demain, les mêmes personnes qui te louent là, ce sont ces gens-là qui vont me dire de vous. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Dans ce mauvais dehors là-bas. Voilà. Glorieuse Henri. C'est très sérieux. C'est mauvais. Ça, c'est pas une bonne saison pour aller en Côte d'Ivoire. Donc, nous, nos programmes là-bas, on va renvoyer ça après la CAN. Voilà, pour ne pas subir la guerre. Donc, voilà, bien-aimés. Gouraza wa annasra ifila wa Il faut dire qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de réserver pour cette année 2024 pour tous ceux qui seront fidèles. Tous ceux qui s'attacheront à Dieu, le Seigneur leur fera grâce en cette année. Je voudrais exhorter l'Église, exhorter les frères et les sœurs de prendre cette année comme une année des opportunités. Une année où Dieu va multiplier ses opportunités dans nos vies, dans son Église, dans la vie de ses serviteurs et de ses servantes.
Donc c'est une année où il faut être concentré et surtout focalisé sur Dieu, sur ta foi. Ne permets à personne de te distraire. C'est important. C'est très important de comprendre cela, vous voyez. Donc il faut se concentrer parce que Dieu fera des choses extraordinaires. Et je suis en train de venir en France. Je ne viens pas bredouille. Et vous savez que chaque fois que je suis arrivé en Europe, c'était pour vous bénir. Et des rosées célestes sont descendues sur vous et sur vos familles. Il faut que les gens comprennent une chose, bien-aimé. Il faut que tu le comprennes. Dans le principe, la réception des prophètes, le mystère du ministère des prophètes, il a dit c'est un ministère qui regorge des solutions des problèmes de l'humanité. Je dis encore que c'est un ministère qui regorge des solutions, des mystères, des problèmes de l'humanité. Il faut que vous compreniez que les prophètes sont sortis pour résoudre des grands problèmes. Lorsque c'est grand, lorsque c'est immense, lorsqu'il faut une grande manifestation, la puissance de Dieu, Dieu libère les prophètes. Ouais, lorsque vous lisez attentivement les Saintes Écritures, vous verrez que dans des moments, les moments les plus difficiles, les moments où la main de Dieu devait intervenir, où Satan a manifesté un règne puissant, Dieu a dépêché un prophète pour contrarier Satan et ses œuvres et libérer son peuple. Vous vous souviendrez par exemple de ce qui s'est passé en Égypte avec 430 ans d'esclavage d'Israël. C'est un prophète que Dieu a envoyé pour résoudre ce problème-là. Vous voyez. Vous verrez dans la Bible, dans les Saintes Écritures, qu'il y a toujours, à certains moments, Dieu a toujours suscité un prophète pour aider les gens à sortir de leur prison, de leur captivité pour entrer dans leur pays, le pays où coule le lait et le miel. Vous verrez que lorsque Samuel va rencontrer Saül, c'est un gardien d'ânesse et il fera de lui un roi parce qu'il a croisé un prophète. Et lorsque David rencontrera Samuel le prophète, il deviendra roi de gardien de brebis qu'il était. Vous verrez qu'il y a toujours une élévation qui est attachée à la rencontre avec les prophètes. Lorsque la Samaritaine va rencontrer Jésus-Christ, vous allez vous rendre compte qu'elle va devenir une évangéliste internationale. C'est elle qui va aller évangéliser la Samarie et la Samarie sera sauvée à cause d'elle. La Samarie viendra à Christ à cause d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a croisé un prophète. On peut multiplier des exemples comme cela dans les Saintes Écritures. Donc, ça veut dire que lorsque Dieu fait sortir un prophète, c'est pour t'aider à quitter de la servitude pour la liberté, de la pauvreté pour la richesse, des ténèbres pour l'admirable lumière du Seigneur Jésus-Christ. Et il faut que les gens comprennent cela. Il y a une grande réserve divine, une grande ressource spirituelle dans la vie des prophètes. Voilà pourquoi Jésus a dit, oh, de combien un prophète est. Si quelqu'un reçoit un prophète, parce qu'il arrive à reconnaître spirituellement la valeur de ce prophète, il aura part à l'héritage de ce prophète. Et Jésus dira quelque part, le prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Et là, c'est un problème sérieux. Dit un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Et voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé à Nazareth, il n'a pas pu opérer de miracle. On parle de Jésus-Christ, mes amis. On parle de Jésus, de celui dont la Bible dit, Kai o logos arx egeneto. Et la parole fut faite chair. Celui qui est venu comme Dieu, sous une forme humaine, au milieu de nous. Mais il n'a pas pu opérer des miracles à Nazareth. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les habitants de Nazareth ne croyaient pas en lui, puisqu'il avait grandi au milieu d'eux. Il y avait la familiarité. Ouais. Donc quand vous venez rencontrer un prophète, parfois je suis hurluberlué, ébahi, lorsque je vois des gens qui me tutoient. Ouais. Il y a les gens qui me tutoient, ah non papa, tu. Vous voyez, ce n'est pas bon. Et la familiarité, c'est l'antidote à l'onction de la prophétie. Si tu ne respectes pas un prophète, tu ne peux rien recevoir de lui. Je suis en train de venir. Et lorsque Dieu envoie un prophète, c'est parce qu'il faut une intervention divine urgente. Il faut bénir quelqu'un, il faut sauver quelqu'un, il faut délivrer quelqu'un. Et Dieu dit à Samuel, il dit, prends ta fiole, prends ta corne et ta fiole d'huile. Il dit, remplis ta corne d'huile et va. Et je te montrerai celui que tu oindras pour roi à la place de Saül. Ouais. Donc, il n'y a que les prophètes, mes amis, qui ont la corne. Il n'y a que les prophètes. Il n'y a qu'eux qui ont la corne. Et la fiole d'huile qui doit remplir la corne. Ça montre simplement la puissance du ministère des prophètes. Donc, je vais dire, bien-aimé, que vendredi, le 2 février, le 2 février, là, chacun doit noter ça dans son agenda. Mais
regards sont tournés vers l'Europe, vers les bien-aimés de l'Europe, vers l'Église de l'Europe. Quelqu'un doit entrer dans sa destinée prophétique cette année. Quelqu'un doit rencontrer Jésus cette année. Quelqu'un doit connaître Christ. Il y a tellement de témoignages que les gens envoient, qui disent ils ont été bénis, ils ont été délivrés, ils ont été visités, ils ont été rencontrés par le Seigneur. Après être venus, ils ont eu une grande paix et leur vie spirituelle a connu une grande révolution. Peut-être vous êtes de ces personnes-là, pouvez laisser en commentaire votre témoignage. Beaucoup de personnes qui ont été bénies. Depuis la nuit de la première turbulence prophétique, la première nuit de la turbulence prophétique, et puis aussi le 31, l'Exodus Night, c'était formidable, mes amis. S'il vous plaît, envoie les cœurs et les pouces bleus. Envoie les cœurs et les pouces bleus, je vous en prie. Envoie les cœurs et les pouces bleus. Donc ça a été formidable. Des miracles extraordinaires. Et cette fois-ci, ça sera différent encore. Parce que Dieu se manifestera. Et je suis en train de réfléchir comment je pourrais tenir un séminaire sur le mariage là-bas. Un séminaire sur le mariage, ça c'est important. Il y a deux choses que je voudrais faire. Le séminaire sur le mariage et puis tenir une garnison des prophètes. La garnison des prophètes là-bas aussi pour permettre aux gens de pouvoir bénéficier du mystère du ministère, du saint ministère. Pour qu'ils comprennent la bénédiction et la grâce qui sont attachées au saint ministère. Mais il faut qu'on ait un temps avec les célibataires parce que j'ai remarqué qu'en Europe, c'est dangereux là-bas. C'est très dangereux. C'est dangereux. On dit les contrats de Paris. Paris, ça sera, voici l'adresse, 20 avenue des Courtes et plus 91 100 Villabé. Partageons la vidéo, je vous en prie, mes amis. Ce n'est pas satisfaisant ce soir, ce n'est pas satisfaisant. Je vous dis une chose, j'ai remarqué quelque chose en Europe, et ça, je veux partager ça avec vous. Je partage ça avec toi ce soir, voyez. J'ai remarqué qu'en Europe, il y a une crise de mariage. Oui, il y a une crise de mariage en Europe. Il y a une grande crise de mariage en Europe. Les gens, c'est-à-dire, les gens ne se marient pas beaucoup en Europe, et les mariages sont instables. Ça, c'est ma remarque personnelle. Hein. Les mariages sont instables. Ça, c'est les remarques que j'ai eu à faire pour ces peu de temps où je vais là-bas. Mais vous qui êtes là-bas, vous pouvez confirmer ou bien infirmer. Mais j'ai remarqué qu'en Europe, il y a une crise maritale, une crise autour des foyers. La plupart des personnes avec qui j'ai causé, mes enfants, mes filles, comme mes fils là-bas, vous trouvez, c'est des personnes qui ont eu 2, 3, 4 expériences relationnel ou marital. Et ça a capoté, ça n'a pas fonctionné. Il y a un problème profond dans la société européenne. Et je me suis posé des questions. Et quand je me suis posé des questions, je me suis rendu compte que la culture européenne est anti-mariage. C'est-à-dire que la culture européenne ne permet pas de bâtir un foyer stable. La culture. Il y a un problème avec la culture européenne. Et je me suis rendu compte que nos bien-aimés africains qui vont en Europe et embrassent la culture européenne, automatiquement ne peuvent pas être aussi stables dans un foyer. Parce que la mentalité là-bas, il y a trop de liberté et de libertinage. Ça veut dire, la Bible n'est pas le code de conduite des gens. La Bible n'est pas le code de conduite des gens. Ça, je vais expliquer pourquoi je dis ça. Les femmes en Europe, elles sont très libres. Et c'est seulement le mot libre qu'il faut dire. Indépendante des principes bibliques sur le mariage et indépendante aussi de l'autorité de l'homme. Bon, le plus souvent peut-être parce qu'elles se battent elles-mêmes, elles peuvent s'en sortir. Et la société, elle est réglée différemment. Mais l'Afrique est plus rapprochée des principes bibliques en rapport avec le mariage. En Europe, que tu parles d'une femme qui respecte un homme, c'est difficile mes amis, c'est compliqué. Et puis, n'importe quel homme dans quelque culture que ce soit, qui n'est pas respecté par sa femme, ne peut pas rester avec cette femme. Ça, c'est aussi une vérité de la palisse. Elle est universelle dans tous les cas. Donc, les femmes en Europe, ce que j'ai remarqué, je ne dis pas toutes les femmes, hein. Je ne dis pas toutes les femmes. Il y en a qui font l'exception. J'ai rencontré qui font l'exception. Mais la soumission, c'est-à-dire les femmes en Europe entendent mal le mot soumission. Quand dès que tu commences à dire soumission, là, il y a un problème. Dès que tu commences à dire, il dit prophète, je suis en Côte d'Ivoire, à Abidjan,
et prier pour ma femme. Amen. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Donc en Europe, la soumission, là, dès que vous parlez de la soumission à une femme européenne, il y a un problème là-bas. Il y a un problème. Et la structuration de la famille en Europe n'est pas conforme aux principes et aux idéaux de la Bible. C'est-à-dire que même l'enfant, ton enfant, tu ne peux pas gronder l'enfant. Tu peux pas taper l'enfant. Pourtant, la Bible dit clairement de chicoter l'enfant, que la chicotte ne tue pas l'enfant. Donc, même Dieu est d'accord qu'à un certain moment, l'on puisse faire usage de la chicotte pour amener l'enfant à la raison. Il ne faut pas exagérer non plus. Il faut promouvoir le dialogue dans une famille. Bon, mais en Europe, tu essaies. J'ai rencontré une femme, par exemple, laissez-moi vous raconter l'histoire-ci, qui est venue me voir lors de mon dernier voyage. Elle voulait la prière. Pourquoi? Parce qu'elle a tapé sa fille. Elle a fouetté sa fille. Il y avait de cela peut-être 3 ans ou 6 mois, quelque chose comme ça. Ou bien les services sociaux et la police sont venus à la maison. On ne sait pas comment l'enfant parlait au voisin, ou le voisin allait dire, et puis voilà. On est venu lui arracher tous ses enfants à la maison. 6 enfants. On a ramassé les 6 enfants. On allait les mettre dans des maisons. C'est des maisons d'accueil, je ne sais pas trop où, des maisons d'accueil. Elle était sans enfant. Je lui dis pardon. Elle me dit, homme de Dieu, comme je vous dis, on m'a arraché tous mes enfants. Parce que j'ai fouetté ma fille. J'ai fouetté ma fille. Tu tapes ton enfant, il appelle la police, on te met en cellule. Comment cet enfant sera-t-il béni? Ça fait que toute une génération est maudite. Et en Europe, vous voyez, les enfants, ils insultent leurs parents. Ils manquent de respect à leurs parents. Et tout Africain qui arrive là-bas et qui embrasse cette culture-là, c'est ce qu'on appelle l'acculturation. L'acculturation, c'est lorsque tu abandonnes ta culture pour embrasser une autre culture. Donc, ça fait que la Bible dit, maudit soit celui qui demande à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Dit, enfant, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. C'est le premier commandement avec une promesse. Et il dit que au bout de ce commandement, il y a la bénédiction de Dieu, il y a la longévité. Un enfant qui maudit sa mère, c'est-à-dire qui parle mal à sa mère, insulte sa mère, ou bat sa mère ou son père, est maudit. Et justement, c'est ce qu'il y a en Europe, en fait. Tu entends comment un enfant parle à sa mère, qui l'a porté pendant 9 mois, qui a souffert les douleurs de l'enfantement, et qui même, parfois failli passer à cause de l'accouchement difficile. Tu vois comment cet enfant à qui tu as donné la vie, que tu as éduqué, que tu as envoyé à l'école, que tu as nourri, cet enfant te manque de respect. Il t'insulte, il te parle comme un vaurien. Et vous pensez que Dieu va bénir une telle génération? Il faut faire attention. Non, mes amis, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Et j'ai remarqué aussi une autre chose là-bas, c'est le manque de charité, en fait. Dans la société européenne, trop de manque de charité. J'ai vu des Arabes, là, vous voyez, mendiants dans les rues là-bas. Ils vont faire comme... Personne ne les regarde. C'est rare. Rien que quelques personnes. Quelques personnes seulement. Donc, à partir de ce moment-là, le fondement même du succès dans un foyer est ébranlé. Les femmes européennes sont trop indépendantes. Elles sont indépendantes. C'est-à-dire qu'une femme, elle insulte son mari. Elle parle à son mari n'importe comment. Elle appelle son mari par son nom, Ferdinand. Moi, par exemple, je suis un Peul. Vous voyez, mon origine là, c'est Peul. Et en tant que Peul, nous, il y a trop de vergogne. Trop de vergogne dans ma culture. Quand on parle de vergogne là, on parle d'un respect profond. La piété. Voilà, il y a la piété, une grande piété dans ma tribu. Laissez-moi vous expliquer un peu. Vous voyez, chez les Peuls, c'est vrai que aucune civilisation, aucune culture ne doit juger une autre culture. C'est la parole de Dieu, la Bible, qui régule les cultures, en fait. Alors, les cultures sont différentes, mais la Bible devait être notre thermostat des cultures. Dans ma culture, par exemple, la femme ne sert pas son mari debout. Elle doit être accroupie. La femme, lorsqu'elle a fini de servir son mari, ne lui tourne pas le dos. Elle rentre comme ça, en regardant son mari. C'est à distance qu'elle se retrouve pour partir. La femme ne dort pas dans le même lit que son mari, parce que son mari, c'est son roi. Elle ne vient pas comme elle veut. Regardez un peu ce qui s'est passé avec la reine Esther. Avec le roi Ahasuérus. C'est comme ça, en fait, dans ma culture, encore aujourd'hui. La femme ne dort pas dans la même chambre que son mari. Elle a sa case à elle. Et c'est son mari qui va vers elle.
Elle ne dit jamais à son mari que j'ai besoin de toi. Ça, c'est en général. Hein. C'est son mari qui va vers elle. Elle ne salue pas son mari avec la main. Elle ne s'assoit pas à table avec son mari. Et lorsque les hommes mangent, ils mangent entre eux. Les femmes ne sont pas présentes. C'est vrai que c'est trop exagéré. Il y a de l'exagération dedans. Aujourd'hui, j'ai adopté la culture biblique et qui me sied parce que ma culture n'est pas trop la culture biblique, avec quelques différences, bien entendu. Bon, mais dans tous les cas, et c'est pour dire que globalement, il y a cette forme de respect-là que la femme a pour son mari, dans ma culture. C'est vrai que c'est trop exagéré. Une femme, normalement, doit avoir le temps avec son mari, s'amuser avec son mari, dormir dans la même chambre que son mari, tout cela. Donc, ce qui n'est pas trop bien adéquat ou en adéquation avec la parole de Dieu, ce qui vibre en quadrature de face et non pas en face avec la Bible, j'ai mis ça de côté. Mais aujourd'hui, en Europe, les femmes veulent se marier. Elles veulent se marier et ce sont elles qui n'ont pas le respect envers l'homme. Bon, il y a les femmes qui vont dire non, c'est parce que l'homme aussi doit mériter le respect. Vraiment, quand l'homme ne fout rien, quand ton homme ne peut pas faire ceci ou bien, quand... non, attendez. Attendez. Comment je vais me dire ça? Il faut commencer, toi, par devenir d'abord une bonne personne. Voilà ce qu'il faut que tu saches. Commence par devenir une bonne personne. Si je veux avoir une bonne femme, je dois me battre à être un bon homme. Oui, je dois dégager le bien d'abord. Je veux prier Dieu de me trouver une femme comme moi. Je dois être un modèle. Et la Bible dit que la femme, par son caractère chaste et réservé, peut ramener son mari. Le respect est mutuel, Esther, Déborah, le respect est mutuel. Ça, je suis d'accord. Bon, j'ai ouvert une parenthèse, les femmes vont maintenant se fâcher. Mais il n'y a pas de problème, on va parler. S'il y a des questions, je vais lire en commentaire, je vais répondre à vos questions. Le respect est mutuel, bien entendu. Mais je vais vous poser une question donc. Supposons que toi, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Et tu prétends avoir Jésus-Christ en toi, en tant que femme. Et ton mari te manque de respect, que dois-tu faire? Lui manquer de respect, ou tu fais comment? Répondez en commentaire. Hein. Je vais sur la base, le respect est mutuel. On est d'accord, ça veut dire, quand on dit le respect mutuel, c'est une formule qui stipule que tu me respectes, je te respecte, tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Je vous demande donc, est-ce donc biblique? Est-ce que c'est donc conforme au principe de la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit à une femme dont le mari n'est pas sérieux? Qu'est-ce que la Bible dit? Que si ton mari n'est pas sérieux, toi sois sérieuse. Il dit en te conduisant d'une manière digne, chaste et réservée, qui sait si ton mari ne sera pas aussi gagné au Seigneur. C'est ta bonne conduite qui va ramener ton mari. Et c'est la même chose pour l'homme. C'est ma bonne conduite qui doit ramener ma femme à la raison. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent cela. Et je pense que ce qui nous tue aussi, c'est que nous avons pris les maximes mondaines pour en faire nos maximes. Les principes du monde pour en faire nos principes. Et là, on a fait une grave erreur. Au lieu que le monde nous suive, nous, on a suivi le monde. La Bible dit, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi. Non, il dit, c'est à eux de venir vers nous. C'est nous, il dit, Umeis este, tes alas tes ges, vous êtes le sel de la terre. Il dit, si donc le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ce n'est pas parce que les gens se conduisent mal que moi aussi je dois me conduire mal. La Bible dit quoi? Et tu ne te chargeras point d'un péché à cause d'un fils de ton peuple. Ouais. Donc nous soyons des exemples d'abord. Mais beaucoup même de nos soeurs africaines, vous savez, je suis arrivé en Europe, j'ai posé une question, j'ai remarqué d'abord quelque chose. J'ai trouvé mes frères là-bas, les hommes de Dieu, et puis mes fils même africains qui sont là-bas. Mais la plupart, ils sont mariés à des Noirs. D'autres qui mènent l'Europe pour retourner en Afrique se marier. Et on a même un exemple. On a un exemple avec le mariage de Sadio Mané. Le joueur Sadio Mané, avec tous les moyens qu'il a, il pouvait prendre une femme blanche ou je ne sais pas de quelle autre race. Mais il allait prendre une femme noire, une jeune fille de 18 ans. Noire. Une noire. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a compris quelque chose. Le mariage, ce n'est pas le tape à l'œil qu'on recherche. C'est-à-dire que si vous recherchez le tape à l'œil, vous êtes dans l'erreur en fait. Vous n'avez rien compris du mariage. Et la plupart du temps, nous les hommes, c'est ce que nous voulons. Et même les femmes aussi, c'est ce qu'elles veulent. Il me faut quelqu'un, une femme, quand je sois avec elle, tout le monde va savoir que ça, c'est une vraie femme, une belle femme. Il me faut un homme, quand je sois avec elle, on sait que c'est un milliardaire.
Mais en réalité, c'est là que nous avons raté. C'est là que nous ratons, nous commettons une grave erreur. Pourquoi? Parce que la beauté extérieure ne signifie pas la beauté intérieure. C'est deux choses différentes. Le mariage, c'est où ton cœur est en paix. Où tu peux accomplir ta destinée bien, en paix. Ou tu peux être avec quelqu'un qui te comprend et que tu comprends. Vous comprenez à demi-mot et vous accomplissez votre destinée paisiblement sans vous efforcer à vivre ensemble. C'est ça en fait le mariage. Donc je pense que cet homme, Sadio Mané, il n'a pas regardé avoir une blanche ou bien une métisse, je ne sais pas quoi. Il ne dit pas qu'il ne faut pas épouser les blanches et les métisses. Hein. Il y a des enfants de Dieu parmi les blanches et les métisses. Pardon, ne tirez pas sur moi à boulette réelle, à barre réelle. Non, non. Il y a des enfants de Dieu, il y a des blanches qui sont des servantes de Dieu originales. D'autres ne sont même pas chrétiennes, mais elles sont soumises, elles sont bonnes. J'ai un de mes fils là-bas qui s'est marié. Il s'est marié et il a divorcé avec une dame blanche. Il m'a dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un comme ça. Que tout le mal qu'il a fait à cette femme, la femme lui a dit, je te pardonne. Elle n'est même pas chrétienne, elle n'est pas née de nouveau. La femme lui a dit, je te pardonne. La femme l'a pris ses deux enfants. Elle a pris ses deux enfants. Elle lui a dit, ok, comme tu parles, laisse-moi les enfants. Si tu me prives de ces enfants-ci, je vais mourir. Elle prend soin des enfants. Elle prend soin de lui. Elle l'aide aujourd'hui à avoir les papiers. Je lui dis, et tu as abandonné une femme comme ça, mon fils. On va te taper, on te fouette. Je te prends avec le sac sur ta valise, la valise sur ta tête. Je te ramène. Je dis, voici ta femme. Femme, je t'ai ramené ton mari. Vous voyez? C'est sérieux? Donc, dans chaque tribu, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Mais je parle, c'est-à-dire sur la globalité. Sur la globalité. Donc, il y a des femmes blanches qui sont plus soumises, plus gentilles que les femmes noires. Il y a aussi des femmes métisses qui sont plus bien éduquées que les femmes noires. Comme il y a aussi des femmes noires qui sont mal éduquées. Plus mal éduquées même que les blanches ou les métisses ou d'autres tribus. Donc il faut que les gens ne crucifient pas parce que mon heure n'est pas encore venue. Bon, on a Suzy qui dit, si on est marié, chacun doit garder sa place. Parfois, ce n'est pas évident avec notre environnement. Il faut beaucoup prier et demander à l'aide. De l'aide à Dieu. Oui, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, chacun doit garder sa place. C'est qui? C'est Flumbala qui dit, ça ne va vraiment pas. Je suis une jeune fille résidant à Yaoundé. Ma soeur Eluna, Andela Kloudina, était à Douala. Tout allait très bien, mais depuis 2 semaines, sa situation est aggravée. Elle ne parle plus bien. Elle est déjà paralysée. Que Dieu la guérisse au nom de Jésus-Christ. Il y a des exceptions, il y a des femmes obéissantes à la parole et soumises. Oui, c'est ce que je dis en fait. Ne fâchez pas. Ce dimanche, papa, pendant le culte de famille, j'étais en larmes à la baie juste à cause de ce que je subis dans mon foyer. Oh, oh, oh. Tu crois, dit quoi? De nos jours, il faut vraiment la grande grâce de Dieu pour tomber sur un bon partenaire de vie. Exactement. Le plus souvent, lorsque la femme est respectueuse, l'homme ne la voit pas. C'est Jackie Winchester. C'est-à-dire que l'homme là est aveugle. On va lui trouver des binocles. Tout est question d'éducation, de caractère, de tempérament et faire les bonnes associations compatibles et complémentaires. Là, c'est Esther Deborah. Oui, voilà. Bon, mais Esther Deborah, il faut comprendre que ce que vous dites, c'est vrai. Mais il faut aussi que vous compreniez, bien-aimé, que tout le monde a son tempérament. Tout le monde a son caractère, tout le monde a son comportement. Mais si nous sommes enfants de Dieu, si on est des enfants de Dieu, nous devrions avoir le même caractère à cause de la parole de Dieu. Parce que le caractère de Christ dans la Bible que nous devrions développer. Et on vivrait en paix. Mais lorsqu'on veut mélanger le modèle mondain avec le modèle divin, ça ne marche pas. Là, je dis, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Le problème, c'est qu'on veut rassembler Christ et Bélial en même temps dans nos foyers. Aujourd'hui, c'est pour cela qu'on n'arrive pas à bâtir un foyer stable. Pourtant, le mariage est une bénédiction. C'est une bénédiction, mes amis. Vous voyez, l'homme ne respecte pas la femme. Un homme qui ne respecte pas sa femme, c'est un homme qui n'est pas digne. Un homme doit respecter sa femme. Nous savons qu'il y a des hommes de Dieu mais qui tapent sur leur femme, qui battent sur leur femme. Ce qui est un crime contre la Bible, contre la parole de l'Éternel. La femme est un être spécial. La femme, c'est une fleur. La femme, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont des fleurs, qui sont des roses, c'est-à-dire des fleurs avec les épines. Mais si vous venez à Christ,
Tu viens à Christ et l'homme vient à Christ, je vous dis la vérité. Et que chacun se forge à mettre en pratique la parole de Jésus-Christ, il y aura le bonheur dans le foyer là. Ah ça, je suis d'accord avec. Et je suis mordicus là-dessus. Si l'homme craint Dieu, met en pratique la Bible. La femme craint Dieu, met en pratique la Bible, il y aura la paix. Il manque de paix dans le foyer parce que les principes bibliques ne sont pas respectés. Le canon biblique n'est pas respecté. Nos mariages ne sont pas canoniques. Daddy, moi j'ai vu des murs. J'ai vu des murs et pas murs. J'ai préféré ma santé mentale à ce foyer. Oh oui, c'est ça. Papa, je vous remercie d'avoir sauvé ma famille dimanche hier. Ça, c'est Lydie Bellinga. Ah, Zambo. Ah, la famille Zambo. Amen. C'est le Seigneur qui les a sauvés. Que Dieu bénisse. Mon père, le vrai amour en Europe n'existe pas. Un homme ou une femme vient vers toi pour du profit et dès que la personne obtient ce qu'elle veut, elle te laisse tomber et c'est décourageant. Bon, mais on ne va pas être radicaux, hein. Je pense qu'il y a le vrai amour. Il y a le vrai amour. Seulement que vous n'avez pas encore croisé le vrai amour. Il y a des gens vrais. Il y a des gens sincères en amour. Il y a des gens vrais en Europe là-bas. Que ce soit les blancs, que ce soit les noirs, que ce soit les métis, il y en a. Il y a des filles métis, des hommes métis qui sont sérieux, qui aiment le Seigneur, qui sont humbles pour vivre dans un foyer, apporter le bonheur, qui ont trop d'amour à donner et ont besoin d'amour à recevoir. Vous savez, dans ces histoires de sentiments, il faut l'humilité en fait. Le mariage, c'est l'humilité. Et dans tous les rapports humains, il faut l'humilité. Et de se croire dans le mariage. Dans le mariage, il faut avoir cette humilité de mourir en soi. Parce que beaucoup de gens entrent dans le mariage sans se rendre compte que c'est une prison. Oui, pour les papiers, je suis d'accord. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui épousent les femmes européennes à cause des papiers. Voilà. C'est ça en fait, les papiers. Le mariage, là c'est Esther Deborah, le mariage demande aussi beaucoup de sagesse. Gestion de tous les domaines du foyer, oui bien sûr. Pegimbu qui dit, le père, le mariage c'est la chance et la grâce, le vrai existe. Oui, non, soyons d'accord, le vrai amour existe. Alors je parle, il y a une femme qui m'écoute, qui certainement se dit en elle-même, mais je suis une bonne femme, je suis bien. Mon mari sera mon roi. Je suis soumise. J'ai toutes les qualités bibliques en moi. Pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un? On a Oyono, Solange et Dimbi. Mariés depuis 20 ans. J'aime mon mari européen. Oh, hallelujah. Voilà un bon exemple. Qui prouve que le mariage, le vrai, l'amour existe. Depuis 20 ans, elle aime son mari. Parce que normalement, quand il y a le vrai amour dans un foyer, vous vous aimez chaque jour qui passe. Renouvelle la flamme de cet amour. La flamme s'embrase. Elle embrase encore plus votre cœur, vous voyez. Elle embrase. Elle grandit jour après jour. Parce que l'amour attise cette flamme-là. Vous voyez. Donc, le vrai amour existe, mes amis. Il me faut un temps avec les célibataires. Pour moi, j'ai ça à cœur. Il me faut un temps avec les célibataires. On a Jonas qui dit, mon prophète, s'il vous plaît, veuillez prier pour que votre Dieu Tout-Puissant me délivre avec ma famille. Amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que Dieu vous visite au nom de Jésus-Christ. Donc il y a tellement ce qu'on appelle le grand banditisme sentimental, le manque de sincérité. Un homme qui va aller avec plusieurs femmes en même temps et une femme qui va avec plusieurs hommes en même temps. Et c'est un problème, vous voyez. C'est un problème. Moi, je dis toujours que dans un foyer, pour le succès, il faut que chacun mette en pratique la parole de Dieu. Il y a un principe simple. On a Simone Gabriel qui dit, j'attends mon Boaz. Amen, qu'il vous soit envoyé cette année au nom de Jésus. Il y a un principe simple dans la vie. Et c'est un principe aussi que quand on l'applique dans le mariage, ça fonctionne. Dans un foyer, dans un couple, il ne manquera pas de blessures. C'est-à-dire que je peux te blesser, tu peux me blesser. Mais le principe est simple. Si je te blesse, toi, je te blesse, je dois te guérir. Si je te blesse, je dois m'arranger à te guérir. Si tu me blesses, tu dois t'arranger à me guérir. Mais si dans un foyer, par exemple, tu es blessé, je suis blessé, je viens vers toi. On a Olive Cassan qui dit, c'est moi prophète, j'ai tout ce qu'il faut. Mon époux sera mon Seigneur. Amen. Que Dieu vous l'envoie cette année au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, Dieu fera rencontrer votre Seigneur. Tu as demandé à une femme en Europe, est-ce que tu peux appeler
ton mari, ton Seigneur, elle te demande que tu es malade dans ta tête. Donc, je disais que le principe, c'est très simple. Si tu offenses ton conjoint et il vient vers toi pour se plaindre, te dit que j'ai eu mal, alors automatiquement, il faut l'écouter. Si tu n'écoutes pas quelqu'un qui a un cœur offensé, que tu as offensé toi-même, cette personne sera frustrée et à la fin, ça va devenir autre chose, ça deviendra un cancer dans votre rapport, dans votre relation. Ça, c'est clair. Donc, si tu as offensé ta femme ou ton fiancé ou ta fiancée et qu'il vient vers toi pour s'exprimer, écoute-le. Écoute-le. Et demande pardon. Même si tu juges que tu avais raison, demande pardon à cause de l'offense. Parce qu'un cœur offensé doit être apaisé. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais tu offenses quelqu'un, tu te comportes mal, la personne vient vers toi, au lieu de l'écouter, toi tu te fâches, ou bien toi tu reprends la personne encore, tu lui crées encore des problèmes sur problème. Finalement, la personne est offensée deux fois. Si ça continue comme ça, ton foyer sera la bombe. C'est la bombe. Ça va mal finir. À la fin, ça sera le divorce. C'est ça la vérité. Donc, il me faut un séminaire sur le mariage en Europe. Il faut ça. Si vous êtes orgueilleux, ne vous mariez pas si vous n'en avez pas fini avec l'orgueil. Je parle des femmes, je vais parler des hommes après, pardon. Je ne dis pas que c'est une solidarité masculine, non. Je parle d'abord de la femme, parce que les femmes, la femme, c'est la mère de l'humanité. On commence par la mère d'abord. Il a dit, je vous suis depuis la Guinée-Conakry. Amen. Donc, il faut l'humilité. Si tu es le genre de femme qui dit que moi, on ne me fait pas ça, un homme ne me parle pas comme ça, on ne monte pas sur ma tête, hein. Mieux tu meurs célibataire que d'être marié. J'ai toujours dit une chose, l'homme a la semence de la royauté en lui. L'homme a la semence de la royauté. Un homme, même s'il est petit, même s'il n'a pas, il ne travaille plus, il a perdu son travail, c'est toi qui travailles, c'est toi qui fais tout, qui le nourrit, qui l'habille et tout. Tu lui manques de respect, vous allez vous séparer. Parce que la fierté de la royauté là, on est des chefs nés, des rois nés. Dieu nous a créés avec la semence de la royauté. Mon prophète, ici en Europe, c'est difficile de trouver un homme sérieux. Il y en a, mais c'est peu. Oui, c'est vrai. Pas seulement en Europe, mais en Afrique. Vous pensez que nos sœurs africaines fuient pour aller en Europe. Elles courent pour l'Europe. Elles cherchent quoi? Le bonheur, je vais trouver le mariage là-bas. Parce qu'il y a une crise maritale ici. C'est quand j'arrive en Europe que je me rends compte que là-bas, c'est pire encore. Il y a les femmes célibataires comme ça. Les femmes ne s'en sortent pas. Les déceptions amoureuses. J'ai donc demandé à mes amis, mes frères, qui sont des hommes de Dieu, mais vous êtes en Europe. Il y a les blanches, il y a les métisses. Pourquoi vous ne prenez pas les blanches et les métisses pour femmes? Ils m'ont dit, C'est la mort, mon frère, c'est la mort. Faut pas tenter. C'est les sacs à problème. Et chacun de m'a raconté son histoire. J'avais une blanche. Mais on a divorcé. On a eu le problème. Elle me rappelait que je suis un nègre. Je suis un singe. Que je ne suis pas chez moi ici, je suis chez elle en Europe. Je ne suis pas en Afrique et tout ça. La plupart d'entre eux ont eu une expérience. Bon, certains sont tombés sur de mauvaises blanches. Oh, mon Dieu, le mariage ici, qui avant était sacré. Les gens se mariaient, on ne voyait pas les trucs de copains, copines là, et tout ça. Aujourd'hui, on légalise tout. Jusqu'au mariage de même sexe, on légalise tout. C'est devenu dangereux. Les gens ne sont plus vrais. La charité du plus grand nombre s'est refroidie. La crainte du nom de l'Éternel a disparu dans les lieux publics. Vous voyez. Donc, si tu es vrai, Dieu va te donner un mari cette année. Et je veux prier pour quelqu'un pour ça. Et si on doit faire le séminaire, on fait le séminaire si en France on ne fait pas. Vous me dites, j'ajoute ça dans mon agenda. Parce que le 2, j'ai une nuit de prière avec vous. La nuit de la turbulence prophétique. 2 février, 21h, 5h du matin, la salle Lune d'Or. 20 avenue des Courtes et plus jusqu'à 1100 Villabé. Voyez. Maintenant, dimanche, les 4, on a culte des familles. Après ça, si vous voulez, on fait un séminaire sur le mariage pour briser les démons de célibat. Est-ce qu'il y a un célibataire qui est d'accord avec moi? Mais si tu es marié, on fait le séminaire pour amener la paix dans ton foyer. Le cœur du mari vers sa femme et le cœur de la femme vers son mari qui est d'accord pour un séminaire. Si vous êtes d'accord, vous me dites en commentaire. Je vois le nombre de commentaires. On vote. Comme ça, on va ajouter cela. La corde à trois fils ne se rompt pas. Homme de Dieu, nous avons hâte de vous rencontrer ici en Europe afin de nous impacter dans tous les domaines de notre vie. Amen.
On fait le séminaire sur le mariage. En Europe, on ne fait pas. Qui veut le séminaire là? Et j'ai dit une chose, que ce soit les familles européennes ou africaines qui sont là-bas, ou guadeloupéennes, guadeloupéennes, etc., etc., la sorcellerie est un fléau aussi. La sorcellerie a quelque chose à voir avec les célibats qu'on a aujourd'hui. Parce que la plupart du temps, on sait que le mariage, ça enlève la honte. Il y a un honneur attaché au mariage. Il y a une gloire attachée au mariage. Ce qui est sûr, une femme mariée est plus considérée qu'une femme qui n'est pas mariée. Séminaire ou pas, dites-moi seulement oui ou non. Qui veut le séminaire sur le mariage? Et on va prier. On va prier contre les hôtels de ton village là, où on a dit que comme tu es parti en Europe, on va voir comment tu vas te marier, comment tu seras heureuse là-bas. Non. J'ai une de mes filles qui s'est mariée. Je pleure dans mon cœur pour elle. Pas seulement pour elle, pour plusieurs encore. Je pleure, mes amis. Elle s'est mariée, son mari est venu. Ils se sont mariés, elle est partie en Europe, retrouver son chéri. Je suis arrivé l'autre jour, et la dernière fois, la première fois que je suis allé là, on a discuté, j'ai senti que ça n'allait pas. Mes amis, elle habite dans la même maison avec la mère de son mari. Wow! C'est dangereux, ça, c'est très mauvais. Elle habite la même maison avec sa belle-mère. Et elle m'explique donc qu'elle veut divorcer. J'ai dit quoi? Elle dit qu'elle veut divorcer. Elle attend seulement ses papiers pour divorcer. Pourquoi? Parce qu'elle dit que quand ils dorment la nuit avec son mari, ils n'ont pas d'intimité. Sa belle-mère leur interdit de fermer la porte de leur chambre. Elle entre dans la chambre n'importe quand, n'importe comment. Et quand elle veut parler, quand elle veut parler, sa belle-mère lui dit, tais-toi, et si tu es chez moi. Et elle regarde son mari dit, mais c'est ma mère, je peux rien lui dire. Elle me dit que son mari se lave devant sa mère. Son mari se lave devant sa mère. Que son mari et sa mère vont en vacances. Il la laisse seule à la maison. Mes amis, c'est quel genre de mariage ça? C'est quel genre de mariage? Il va avec sa maman. Vont ils dorment dans la même chambre d'hôtel. Donc, on doit faire les séminaires sur le mariage et sur l'enfantement. Mariage et fertilité dans tous les domaines. Dieu doit te bénir. Dieu doit changer cette situation-là en Europe. Je pense que c'est aussi pour cela que le Seigneur m'a envoyé là-bas. Donc, on doit faire un séminaire, oui ou non? Je vois le oui pour le séminaire. Vous votez, on fait le séminaire. C'est-à-dire que je vais le 4 là. Après le 4 là, je peux programmer, on loue une salle. Je vous annonce, on va faire le séminaire sur le mariage. Seulement que les salles là-bas aussi, ça coûte énormément cher. C'est exorbitant, je vous assure. C'est les yeux de la tête. Parce qu'il faut qu'on prie. Et je voulais dire aux bien-aimés qui sont en train de me suivre, s'il vous plaît, méfiez-vous des arnaqueurs. Il y a plus de 100 fausses pages au nom de Kane Ferdinand. Quand vous tapez Kane Ferdinand, ça remplit seulement l'Internet. Il y a des fausses pages à mon nom qui ont plus de 50 000 abonnés, 25 000 abonnés, 30 000 abonnés. Ma page actuellement a 279 000 abonnés. Vérifiez la page où vous êtes abonné maintenant. Si ce n'est pas 279 000, ce n'est pas ma page. Vous êtes abonné à une fausse passe, un arnaqueur. Ils vont vous écrire, vous envoyer des prophéties, vous demander de l'argent, des offrandes. C'est que je ne fais pas. La maman là, ma fille là est devenue esclave dans son foyer en Europe. Elle ne parle pas. Elle m'a dit ça, les larmes ont rempli mes yeux, mes amis. J'ai demandé à Dieu, ça c'est quoi ça? J'ai dit que si tu pars en Europe, et que les malédictions de la maison de ton père, de ta mère ne sont pas brisées. Tu vas mourir là-bas. Tu ne vas pas réussir. Et si tu es en Europe, tu épouses quelqu'un, un Européen ou une Européenne, qui a des fondations sataniques dans sa famille, vous ne serez pas heureux. Ça va dévorer ton mariage. Papa, j'ai vu quelque chose dimanche lorsque vous sortez après le culte. Jemima est venue passer à côté de moi. J'ai ressenti une puissance, une onction forte, papa. Dieu vous a envoyé sur terre. Je le confirme. Ok, amen. Voyez, si tu pars là-bas, avant de te marier avec quelqu'un, c'est important d'étudier d'abord les fondations familiales de la famille de la personne, son background spirituel. Est-ce que je veux m'en sortir? Est-ce que je pourrais porter ce fardeau? C'est ça, mes amis. On doit prier pour toi. Tu es célibataire. Tu as tous les charismes qu'il faut. Tu ne vas pas te marier parce qu'il y a des démons. Il y a des autels de ta famille, des divinités que tes parents, tes ancêtres ont adorés, des sacrifices qui ont été faits pour que tu ne sois personne. On va casser ça.
Et tu es dans ton mariage, tu n'arrives pas à être heureux, heureuse, à jouir de ta femme ou de ton mari. On doit arrêter ça, mes amis. Bien-aimés, réjouissons-nous. Quand Dieu envoie un prophète, c'est pour sortir quelqu'un de sa prison. Oui, que Dieu m'envoie une bonne belle-mère. Amen. Cette histoire de belle-mère aussi, c'est dangereux. Hein? Belle-mère, c'est très dangereux. Et Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Ton peuple souffre en Europe, tes enfants souffrent, Seigneur. C'est terrible, c'est terrible. Les gens aiment Dieu, mais ils souffrent. Il faut une brutalité contre les démons de ta famille. On doit les brutaliser. Donc, la nuit de prière du 2 février, ce sera dangereuse. Ça sera très dangereux. Ça, je vous l'avertis. Ça sera dangereux, je vous assure. La nuit de prière, si, ça sera dangereux. Si tu n'arrives pas à cette nuit de prière, je ne sais pas ce que tu veux encore. C'est la première nuit de prière de 2024. On met la fondation de cette année. Tu devras être là. Tu dois être là pour revendiquer ta portion de bénédiction pour cette année, ton héritage. Et le culte des familles. Viens consacrer ta famille à Dieu. Venez avec vos enfants. Je veux prier pour leur carrière. Quel que soit le domaine, leur champ de prédilection, on va prier pour leur carrière. Dieu m'a dit, voici le signe par lequel je veillerai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Quand j'ouvre ma bouche, je parle au nom de l'Éternel. Le ciel accomplit cela. Ça, c'est mon alliance avec Dieu, c'est ma particularité. Donc, viens, laisse-moi parler sur ta vie. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Donc, bien aimé, voilà, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Que sa grâce abondante soit sur ta vie. Mets ces deux dates-là dans ton agenda. Prends déjà ton billet d'avion. Achète déjà ton billet d'avion. Vendredi 2 février, deuxième édition de la Turbulence des Prophètes à la Lune d'Or, où on a fait le 31 décembre dernièrement. On doit briser ces autels. Si tu es un homme de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu n'arrives pas à trouver l'homme de ta vie, viens, on va prier. Dieu va glorifier son nom dans ta vie. Ne manque pas cette nuit de prière. Tous les hommes de Dieu, toutes les servantes du Seigneur, venez, on va prier jusqu'à ce que Dieu va nous exaucer. Ça, c'est la nuit du 2 février, 21 à 5h du matin. Et dimanche, on va se retrouver dans la même salle à partir de 10h pour le culte des familles, le tout premier culte de famille, avec service d'eau ointe. On va dire l'eau ointe. Il y avait onction des familles avec l'huile de faveur. Dieu attirera sa faveur dans sa vie à travers cette huile-là. Vous avez entendu tellement de témoignages par rapport à l'huile de faveur. Dieu le fera encore dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Que cette année soit ton année. Au nom souverain de Jésus. Père, je prie pour tous célibataires. Que sous la malédiction des autels de célibat, que ces autels soient jugés, incendiés, brisés au nom souverain de Jésus. Père, je prie que ta gloire, ta puissance soit sur ton peuple et que ton peuple soit guéri. Père, pendant que je vais en Europe, je prie pour tous ceux qui seront présents, que tous connaissent une grande bénédiction cette année dans leur vie. Nettoie les larmes de leurs yeux, Seigneur, et ferme la bouche de leurs ennemis. Cette nuit sera une délivrance pour plusieurs. Père, envoie tes anges dans les maisons, dans les pays, partout où je suis écouté ce soir, où ta parole est arrivée, où ma voix est en train de retentir. Seigneur, brise les chaînes de fer, les chaînes de sorcellerie, des maladies curables et incurables, des maladies mystiques et maléfiques au nom souverain de Jésus. Père, j'appelle la paix dans leur vie et dans leur maison. J'ai dit la paix dans leur carrière, dans leur projet au nom souverain de Jésus. Merci parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain dès qu'il sera 21h pour notre édition. Nous nous préparons et que Dieu te bénisse. Shalom, bye.